forteresse débloquée. Un intrigue. Capitole. Attendez deux secondes. Un jeu qui s'appelle Get the Fuck Out. Ouais, non, mais en fait, c'est tellement pas comme ça pour... aurait pu être en temps normal et ça m'intrigue vraiment. Pourquoi? Bah. Je m'attendais pas à... Tu sais, ils avaient présenté ça à la base d'un truc comme un peu un Left 4 Dead de hardcore, tu vois. Et en fait, avec tout le côté horreur, infiltration, tout ça, tu sais. Mais c'est dès pas... les premières vidéos de gameplay, tu le voyais, ça. Tu disais justement qu'il fallait infiltrer, qu'il fallait pas réveiller tous les morts, sinon ça va être le bordel. Ouais, c'est extrêmement dur de s'en sortir. Ils ont combattu, on a tous reparlé, c'est enfin, oh, la grosse baston! À l'attaque! Bayonetta au canon! C'est moi là, on est ici! Les civils vous aideront à entrer dans le pays. Allez! Sans avant, Marie! Sans avant! C'est juste pour dire. Chargez! Ne restez pas sur la plage! C'est parti maintenant, fight. Par contre, attention parce qu'ils ont des mortiers en face. Et juste comme ça, ici les mecs sont 30, donc forcément moins rentable parce qu'ils font aussi mal que vous. Y'a Porzo, qu'est-ce que tu fous? Bangalore sur la plage! Je suis sur les portes, je suis sur les portes. Ah, y'a le lieutenant d'Oxy. Ouais, sur la droite des élites. Enfin, au moins un. Putain, je l'ai dit dessus en plus. Des mecs en haut là. Mais c'est pas des sons d'armure, mec. Il est plutôt résistant seul. Il y a même les mecs. J'ai une musique là parce qu'il y a même les gens. C'est bon, y'a. Allez. Allez. Oh non, c'est salaud. Bien joué. Ah ouais, c'est un Siwis. Ouais, c'est des... Non, un Siwis... C'est des trousseaux, ouais, ça, ouais. C'est des paramilitaires. Oui, c'est des paramilitaires. Des paramilitaires. Si, si, c'est des paramilitaires. Non, c'est des militaires, là-bas. Oui, mais maintenant, c'est des paramilitaires. C'est un dégât, quoi, c'est... Ouais, c'est parti. Ah, j'espère qu'il faut pas nous tirer dessus, putain, mais c'est... Non, mais attends, c'est pas un Siwis, hein, c'est un canon d'Atis. C'est un canon d'Atis qu'ils ont bricolé et qu'ils ont monté sur le... sur le machin. C'est beaucoup plus gros qu'un Siwis. Il va 20 mm c'est lui. Et ça c'est pas ouais. Fin non, là, c'est... là c'est du 30 ça. Paf. Paf. Ah attention, ça nous déborde sur la gauche, il y a des supérieurs. Déplace. Alors je t'envoie le drone. Il est faux. Enfin j'essaye, c'est bon. Putain bazooka. Carguste. Carguste. C'était le dernier. Vous pouvez approcher de l'entrée. Ça. Alors il est temps d'aller à l'intérieur et d'en finir. Balai là-dedans, merde, j'ai laissé un loot en bas. Attendez, je redescends. Les mecs sont pas au courant, mais ils occupent mon bureau. Occupent mon bureau. Dis donc, hey, c'est vos gosses dégueulasses que vous êtes sur mon bureau. On va en faire une élection démocratique ou plutôt la salle du parlement. Attendez-moi. Utilisez le canon. Attendez-moi. Attendez, on est sur une grue quoi. Mais oui, oui, non mais c'est vraiment, c'est un canon d'Adis, hein. C'est... Il est vraiment trop élevé. Ça marche hein. Le mec qui gardait la porte derrière, il non, est... C'est ça. Putain, il est... Oh, bonjour, ah. C'est les impôts. Ah, la drogue. Pour les boussouilles, ça... Les charges de proximité ont explosé ouais, à la rotonde. Interceptez-les. Assaut de la route. D'ailleurs, non, en Suisse, dans le quartier général. Putain, signature électronique. On va trouver l'arme des nazis. Ah, par contre, ils ont plein de UM ici. Hein. La mallette doit certainement ouais. Être dans le coin. Ouais, putain. T'as entendu ça, Kelso? Beaucoup de monde. 5 sur 5, je suis prêt. Truc UM là, c'est foncé, oh, c'est bon. Y'a un truc de balle au-dessus de toi ou dans ton couloir. Attends, parce que là, y'en a un qui était carrément sur moi. Ouais, bah c'est ce que je disais, justement. Ah, parce que tu parlais d'un. Quand vous aurez récupéré la mallette, dirigez-vous vers le toit de la route et attendez l'hélicoptère. Il est tombé dessus, mon gars. Ah, bah là, la mallette, c'est juste. La mallette du président pour que l'hélico puisse s'approcher. On va être extrêmement. Contre-attaque, là, on va se faire exécuter. Attention, ils ont des gus. Putain, ils sont beaucoup. Ok, il y a des gens en haut. Grenade de dispo, je m'envoie.
droite, à droite. Je vais monter à l'étage. Il y a encore quelques-uns en haut, il y a des 100 et des gars. Il vient de nous charger, c'est plutôt bien. Il a plus en haut. Il y en a derrière moi, je crois. Gauche. C'est bon, tu le gères. Ok. Général, la division a dû récupérer la mallette. Ils vont essayer de l'extraire. Empêchez-les. Oui, chef. Oui, mais c'est la mallette nucléaire ou... Non, c'est la mallette du antidote. Ah oui, c'est vrai. Antidote au poison vert. Ah, ça, on sait pas si c'est un antidote. Oui, enfin, c'est un antidote potentiel au poison vert. Ah, ça se trouve, c'est la mallette nucléaire, hein, c'est rien. Peut-être, ouais. Mais non, on va juste trouver un bouton rouge, on va faire A. Ah, je vois que visiblement, ils s'occupent pas de leurs blessés. Il est en mode, je m'en bats les boules. Ils l'ont oublié. Grenade, attention. Oh, c'est une cloche. Alors, juste comme ça les gars, quand vous tirez derrière moi sur mon bouclier, les balles passent pas à travers. Ouais, ouais, je sais, mais c'est... Mais c'est vrai que t'es chiant. Je sens avec ton bouclier aussi, je dois mettre devant. Vous n'oubliez pas, je prends l'aggro, bordel. Bah, je me plains. On a du couvert pour ça. Pas besoin de mettre une porte pour deux rayons frigorifiques. Pas besoin de mettre une porte en deux portes. Ah là, C'est bon. Il y a une porte là. Attendez, il y a une porte. Oh, c'est les mêmes. C'est les bonnes. Ok. Ah la host chamber, putain. Vous savez ce qui se passe dans la host chamber? Est-ce que c'est dans la host chamber ou c'est... Non, je crois pas que c'est... Il pleut! Y'a quoi? Sam Fisher, il chope un dessinateur, il lui tire une balle dans les genoux et disant tu bougeras plus comme ça dans le temps. C'est dans Conviction, mais je sais plus si c'est à la ligne de gauche. A votre droite, à votre droite. Ouais, c'est bon. Merci. Y'en a encore qui flanque par ta droite, balle, il est derrière la colonne là. Ouais. J'ai essayé ça. Ah, ouais. Plus que deux là pour l'instant. Un. Zéro. Voilà. Pas dropper grand chose, ce radin. Quand le toit sera dégagé, envoyez une fusée de détresse. Par où est-ce que ça? Par la porte. Par en haut. Je vais récupérer audio là. La division sait que le commandement de la JTF n'a pas compris qu'on était en guerre. Mais vous êtes pas en guerre, oh là là. Suivez la division, aimez la division. Non. Soignez la division. Oh putain. Il y a du monde et il y a Bazooka à gauche. Il y a un sans-fuir en courant là. Droite ça a l'air d'aller. Ah non j'ai rien dit, ils arrivent. Capitaine Kendra Nelson. Attention que je il y a pas de tirer, enfin je sais pas s'il y a de tirer. Non elle a pas de tirer. Je crois que j'ai les stuns avec la MG mais je suis pas sûr. Bon, j'entends qu'elle sort sa tête, j'ai mon sniper dessus. Dans son armure lentement mais sûrement. On a des relipolis à chercher. Eh bien l'autre quelqu'un à part balle. Ah, elle descend. Elle descend. Je suis là, c'est terminé. Ouais. Déjà, ouais, madame, de l'exotique. Quand tout le monde est prêt, envoyez une fusée qu'on puisse mettre la mallette en lieu sûr. Je pense c'est de la merde. Vous avez trouvé quoi pareil aussi? Ouais. D'accord. J'appelle les alliés. Ça va, vous avez tiré assez de fusées, les gars? Oui.
On n'a pas trouvé le général. Dès le 4 juillet. Non, le général a échoué. Waouh. Missile. Oh bah oui. Bien compris. Ouais, compris. Vous occupez des défenses antiaériennes. C'est bon, on les voit ici, là, on les cartonne. Venez du côté est du bâtiment. Je vois deux véhicules radars sur le côté est. Ça doit être pour le guidage des missiles. Il faut absolument les désactiver pour ouvrir l'accès à l'hélico. Yo, les radars, ça serait pas pour guider les missiles? Oh oh oh, merci Captain Obvious. Oh, ça c'est classe. Ah putain, c'est classe si j'avais pas un bug graphique en bas. C'est... Ouais, ça serait classe s'il faisait pas tout noir quand on descendait. Police! Oh, des trucs dorés. Regarde arrière. Pourquoi? Ah, il y a une caisse. Oh. Une caisse d'armement qu'on a loot. Ça? Au fond à droite. Ah, trop cool! Ok, je vous c'est parti! Vous approchez de ces véhicules radar. Désactivez-les, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et l'autre qui fait du son, ah, il est là. À droite, sous le sol. L'ancien monde est mort. Ah, des poubelles pleines de cartons. Yeah. Ok. Ouais. C'est juste un gros rageux, quoi, en fait. Ouais, Ridge, ouais, c'est un gros rageux, globalement. C'est la caricature des militaires qui veulent révolutionner la société en tuant les voleurs, les machins. Couper les mains. C'est ça. On va lui couper la main, ding dong ding. Ah bah d'où ça va. C'est pas ouvert quoi, super. Ça t'a pris super cher. Ah c'est pas mon clé, il a mis un peu de temps à s'ouvrir. Ah c'est bon, y'a le drone qui va réparer ton arrière. On est content d'être venu ici. Yeah. Où est-ce que je l'ai mis? Ah il est là. Mode défense. Ouais. Par la grande donc porte. Le mec arrive du capitaine. On va pas le nettoyer. Encore un tir. Mais c'est censé être la garde nationale et les militaires et tout. Ça aide beaucoup aussi. Ouais, puis c'est surtout l'ancienne JTF. Parti l'ancienne JTF. La JTF quoi, c'est gros pays, bon. Oh ça va, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. La JTF c'est jamais des pompiers, des ambulanciers. Ouais mais tu dis que c'est quand même la JTF qu'on formait les Troutons quoi. Ouais, l'ancienne JTF. Pas vrai en plus, la JTF c'est juste des alliances militaires. Les pompiers et les ambulanciers c'est la division. Bah non. Mais si, non, c'est des mecs random. Oui, c'est des mecs random, mais la JTF. La JTF, c'est juste des mecs qui ont été formés après la crise pour faire un semblant d'ordre. Non, mais JTF, ça veut juste dire Joint Task Force. Ouais, oui. Bah, justement, il y a des pompiers, des policiers et tout ça, dans le tas. C'est un regroupement de gens de service public. Putain, mais ils tirent sur quoi là? Il y a aussi des flics et des militaires. Ils tirent sur l'hélico. T'as l'hélico par contre, je sais pas qui c'est le pilote, mais ça doit être un petit peu. Est-ce qu'il évite bien les missiles? Tu as un élite avec un lance-flamme qui part sur votre gauche. Scan. Allez hop. Ok, occupez-vous du deuxième. Ils ont essayé de nous charger, on dirait. Ah non, ils en vont. Waouh. Il est content d'être bloqué dans ça, je l'ai vu. Ah, c'est cool qu'on ait un hélico capable d'éviter autant de missiles RR. Je te dis. C'est... Et parce qu'il y a un mec, il y a un mec avec les allumettes sur le côté qui les lance sur le camion. Ah, tu ne mourras pas. Faites-moi voir. Cible ratée.
cible ratée. Bah oui, bah ça serait bien d'arrêter de rater, évidemment. Soit le pilote d'hélicoptère c'est un génie, soit il a vraiment de la chance. Oh, mais c'est vrai aussi, il rate. C'est un très hélico. Ah bah oui, je sais, mais bon, au bout d'un moment, faut pas exagérer non plus. Non, c'est juste que l'autre il est ce qu'il veut, c'est tout. Un génie. Génie du pilotage. Claire était un génie. Putain, mais t'es sérieux? Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Descends là. Merde! On vient de perdre un gars! J'ai un bon stop quand même, de rien. Ouais, bah ouais. Dire à Washington, il va quand même y avoir des bons stops d'armement. C'est vraiment difficile. C'est l'Amérique, hein. C'est ça. Tu l'as vu le dernier de la course ou quoi? Lequel? Bah, le dernier. Quel c'est le dernier? C'est celui avec les crânes du cristal, non? Bah, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Bah, tu sais, à un moment, tu vois l'entrepôt de la zone 51. Ouais. Bah, c'est ça, ils ont dû tomber sur un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On voit comme ça sous la ville. Avec des pièces. C'est ironique quand même, que le lance-flamme qui vole tout seul. Immobilise la cible. C'est même pas du lance-flamme, toi. Je vois un éjaculeur voler en l'air. Oui. Ouais, il essaye de monter, mais. J'en bats les Yannick. Ouais, c'est bon. Est-ce que le général va nous attaquer avec sa petite tenue de cérémonie et son Colt Navy ou ça se passe comment? Non, pas de réapparition, messieurs. Attends, on est arrivé de l'hélicoptère. Il y a plein de doutes là. Ouais, j'ai eu plein de méchants. Le chargement est en train de descendre. Préparez-vous à accrocher la mallette. Ah, on doit attacher la briefcase, d'accord. Nous, on va se faire enculer. Oui, nous, on va se faire enculer. Ah mais dis donc, ce serait pas le même truc que dans la Dark Zone. C'est bien, tu es perspicace. C'est bon, on a la mallette. Merci, c'était sympa. Allez, en fait, on vous a menti. Allez, salut. Y'a tout un groupe d'ennemis qui se dirige. Au-dessus de vous. Éliminez right way. Ça passerait là. Et ralent. Et lui? Ah oui, Lini Ridgeway. Bah lui, pour le coup, c'est... Enfin, lui, c'est le chef des chefs. Ouais, ouais, bah je vais péter son casque. Hein. Là. Ouais. J'ai même pas eu le temps de lui tirer dessus encore. Ah, c'est l'MG hein, qui touche le truc. Putain, mais j'étais en train de chercher. Il envoie un drone, C'est bon, il est mort. Ouais. Il est mort, il y avait plus de casque, il faisait viser la tête au sniper, c'était bon. Bah, ouais, je lui ai bourré la gueule dans ça là. Par contre, on fait comment pour. Attends, tu vois, t'as encore des mecs qui traînent là. La mallette est en sécurité. Les Troussons ont perdu leur place. Non, c'est pour monter. Putain, le général Ridgeway a été neutralisé. Ah, attends, mais on j'ai peut des monter tas d'objectifs sur ma carte, mais c'est lui que j'avais le plus envie de faire tomber. Il est responsable de la mort de plusieurs gars de mon ancienne équipe, sans compter ceux qui l'ont rejoint. La zone est dégagée. Envoyez une fusée depuis les marches et entrez à la maison célébrer la victoire. La victoire. Je suis tellement content, un super 90. Putain de merde. Ouais, j'en ai looté un, mais c'est un double barrel. Alors fêter la victoire. Pourquoi il y a encore plein de fumée là? Je sais pas. Ils viennent d'injecter le virus dans le système. C'est ça en fait. C'est bon, on a l'antidote maintenant normalement. On est plus loin. Laisse le bouchon de vie tranquille. T'imagines dans Crystal. Wow. Ah bah voilà. On est le war de tir, cuirasse d'atami de pelle. C'est quoi ça? Mais même parce qu'il y a un compteur, t'es juste. Putain, mais peut-être t'en fais de sable. C'est possible ça? Faut qu'on quitte la zone, comment va-t-on faire? Bah on descend. Oui, y'a un compteur quoi, genre c'est la folie.
toi tu prends un compteur. Et progression devant le tir 1, moi je vois un compteur. Ouais, il y a encore 30 secondes. Par là. Y'a pas qu'il y a des tentes de plaide de sable à... Ça me rappelle l'époque où je combattais avec l'Africa Corps. Alors là, si tu combattais avec l'Africano, papy, tu seras en fauteuil roulant. Ah, hein. C'est un non, super soldat. T'as par où est-ce qu'on est rentré déjà? Bah, tout droit. Zéro, qu'est-ce qu'il fait? Ah, cinématique. La cinématique a planté. Non, comme dans Metal Gear Solid 5, fin du jeu. Ah, ils font la fête. Ah, génial, puis là, il y a un mortier chinois. Ah, bah, ils ont l'air contents. On est heureux. Ah, mais c'est que... Regardez les enfants qui jouent. Ah, oh, c'est les chefs des communautés. C'est merdique, mon gars, comme feu d'artifice. 4 fusées. 4 fusées. Ah, c'est vrai qu'on a fait mieux avec. Il y a un mec qui court. Il y a un mec qui court avec un briquet sur toutes les bouteilles de bière. Ils sont bien leurs fusées quand même. Ça explose longtemps. On aurait dû emprunter autre sauce. Je suis sûr, on aurait trouvé mieux. Ah, y'a des mecs. Et là, c'est le drame. Ils sont attirés, je sais pas. Les Black Tusk. Les Black Tusk débarquent. Du coup, les Black Tusk, c'est un Metal Gear. Oui. Les Black Tusk, c'est pas des rigolos. Ils ont pendu les trucs. Ah, ils ont des drones et tout, c'est la technologie. Un Metal Gear. Ah ouais, ils ont carrément cuirassé. C'est où le bureau de... c'est ce que j'ai dit quand on a commencé les jeux, on peut déjà aller voir dans les Black Tusk, s'il vous plaît, merci. Il faut pas le Capitole déjà, tu sais, on vient juste de libérer. Easy peasy, t'as vu voir les mecs qui sont équipés aussi. Et voilà, maintenant on peut commencer le endgame. J'ai des spécialisations disponibles si vous voulez jeter un oeil. Thailand, Capitole, District. Ouais, donc en vrai il va falloir des scores d'équipement pour débloquer les zones. Les Black Tusk. Alors on va avoir un problème. Il est où, Ellis? Disparu. Aucune trace de lutte. Il faut récupérer le remède. Je vais indiquer sa position. Faudra faire attention. Attends, mais ils ont chopé la mallette. Ils ont chopé la mallette et le président. Ah bah super. Super. En fait, on fait le 5 fois d'affilée, on va refaire ça. On va se faire attraper, je crois. LOL.